Bienvenue à vous qui nous rejoignez. Je sais que vous attendez ce match avec impatience. Il faut dire que la fiche est extrêmement séduisante. Oui, en effet, le trophée Europe. Une compétition qui oppose deux grandes équipes européennes qui ont marqué la saison passée. C'est plus un match de gala, mais ça compte tout de même sur un palmarès. Au programme de ce match, l'opposition entre le FC Barcelone et le Real Madrid. Le match dont tout le monde parle, c'est celui que nous allons vivre ensemble dans quelques instants. Tous les amoureux du ballon rond sont là devant leur téléviseur. C'est l'un des plus grands matchs de la saison. Le FC Barcelone qui s'était imposé à l'extérieur lors de son dernier match. C'était contre la Real Sociedad. Oui, il y avait une victoire 3-0. Ce qui me fait dire que les joueurs sont en confiance et qu'ils ont toutes les cartes en main pour enregistrer une nouvelle victoire dans ce match. Que l'équipe avec un nouveau venu dans les buts. De David Doria n'est pas un oubli. Vous vous en doutez bien, mais l'attente est énorme, d'après ce que j'ai pu comprendre. À lui d'assumer. Antoine Griezmann, un des joueurs qui fait ses débuts dans cette équipe. Il est très attendu par les supporters, je peux vous le dire. C'est le FC Barcelone qui va lancer cette rencontre. Modric. Eden Hazard. Antoine Griezmann. Un hors-jeu. Je crois qu'il est parti un petit peu tôt. Là, il bascule sur l'aile, histoire d'étirer ce bloc défensif très compact. Marcelo. Dani Alves. Antoine Griezmann. Tout le pressing du défenseur. Et début réussi, hein, mon cher Franck. Et premier match et premier but, ah, ça va plaire aux supporters et au staff. On revoit ce but sous un autre angle. Cette ouverture du score, ça fait 1-0. Ballon pour Cristiano Ronaldo. Il peut y avoir danger peut-être sur cette montée des joueurs du Real. L'occasion peut-être avec cette frappe. Oh, il repousse. Un drapeau, c'est... Levé, il a déclenché son appel de balle un petit peu tôt. Il y a deux joueurs à la lutte. Toni Kroos. Wesley Schneider. Thank you.
Ouais, je le tire. Ouais, c'est repoussé. Antoine Griezmann. Oh, un tacle parfait qui va faire plaisir aux puristes. Ok, elle est bien partie. Oh, ça va rentrer. Ça y est. C'est le capitaine qui montre l'exemple sur ce but. Très belle action. Bonne lecture du jeu. Et Messi, buteur sur cette action. C'est un joueur qui fait rêver toute l'Argentine. Le réalisateur qui nous montre le bout sous un autre angle. Et ils accentuent leur avance. Le score qui est désormais de 2 à 0. Voilà, jolie frappe. But pour le FC Barcelone. Là, c'est un but qui leur permet de prendre leur distance à la marque. Oh, que ce but va leur faire du bien. Là, ils vont se sentir encore plus libérés. Je vous laisse apprécier le ralenti sur ce but. On peut presque dire que c'est un match à sens unique avec ce nouveau but. Wesley Schneider. Et la voilà la frappe. Le gardien repousse. Oh, ça peut revenir. Un ballon en touche. Les joueurs du Barça qui vont récupérer la balle. Antoine Griezmann. Il signe un très bon match pour ses débuts avec son club. C'est très positif de marquer rapidement. Ça le met dans les meilleures dispositions pour la suite de la saison. Dani Alves. Antoine Griezmann. Oh, la lutte est en train de reprendre ce ballon. Wesley Schneider. Gareth Bale. Modric. Oh, elle est dangereuse cette frappe. Le gardien qui sort le grand jeu vraiment sur cette action. Il s'apprête à aller tirer ce corner. Modric, Fabio Contrao. Wesley Schneider. Oh, il est costaud, hein. Je peux vous dire qu'il est costaud. Oh, c'est parti. Ah, la parade du gardien. Et l'entraîneur qui peut être content de ce que montrent les joueurs en cette première période 30. Oh ouais, le trophée Europe semble en effet avoir choisi son camp pour le moment. On verra si le scénario reste identique en seconde période. Avec 2 buts d'avance, les joueurs peuvent être confiants. Hein, ouais. Alors beaucoup d'enjeux évidemment dans ce match. C'est assez... Allez, espérons que cette seconde période soit un petit peu plus équilibrée. Gareth Bale. Sergio Aguero. Il va devoir protéger son ballon. Modric. Il écarte le jeu.
Cristiano Ronaldo. Messi. Toni Kroos. Ballon pour Cristiano Ronaldo. L'arbitre va peut-être sortir un carton maintenant. C'est dégagé de la tête. Il perd contrôle et garde bien le ballon. Le joueur a terminé son échauffement. Il est prêt à faire son entrée. Ce sera au prochain arrêt de jeu. Andrés Iniesta. Et on fait tourner. On se rend disponible. C'est vraiment du beau football. Iniesta. On dirait qu'ils attendent une ouverture dans la défense. Schneider signalé hors jeu. Oui. Le ballon en touche. Le joueur du Barça qui va récupérer la balle. Sergio Ramos. Ce match qui va être l'occasion de belles retrouvailles pour ce joueur. Il se retrouve en effet opposé à ses anciens coéquipiers. À lui de mettre de côté l'aspect affect. Encore le gars. Attention. Oh, le beau tir. Oh, il attrape le montant. Neymar. Nacho Fernandez. Modric. Le centre, Cristiano Ronaldo peut-être. Et arrêt du gardien qui ne relâche pas son ballon. Antoine Griezmann. Attention. On n'arrête plus dans ce match, on ne l'arrête plus, déjà deux buts pour lui. C'est assez incroyable cette réussite, à la limite de l'insolence presque. Voilà, il n'aura pas eu besoin d'un grand temps d'adaptation. Le Barça qui enfonce encore un peu plus leur adversaire. Et c'est ça, les grandes équipes, elles savent accélérer quand il le faut. On verra peut-être mieux ce qui s'est passé, hein, sous un autre angle. Qui est déjà de 4 à 0. Il a toujours le ballon dans ses pieds, il continue. L'entraîneur a demandé à faire un changement. Sur la frappe, au poteau et le ballon qui revient en jeu. Cristiano Ronaldo. Modric. Ah, qui va reprendre le ballon? Wesley Schneider. Et la voilà, la frappe. Je crois qu'on assiste vraiment à quelque chose d'exceptionnel, Franck. Premier match sous ces nouvelles couleurs et déjà un triplé. Oui, Hervé, c'est incroyable. Je suis en train de chercher sur mes stats, mais je n'ai pas souvenir d'avoir déjà connu ça. Les personnes chargées de son recrutement ont eu vraiment du nez. Vous n'aviez pas commencé par un triplé. On revoit ce but sous un autre angle.
Et ben là, je crois qu'il n'y a vraiment plus du tout de suspense. Gareth Bale. Voilà, c'est terminé. Les Barcelonais qui remportent le match. Et voilà, c'est terminé sur cette victoire finale. Ils peuvent laisser éclater leur joie. Eh bien oui, ils méritent totalement cette victoire. On les a vus monter en puissance pendant toute la compétition. Et aujourd'hui, c'est une belle récompense pour eux. Bravo messieurs. Cette finale qui s'achève à l'instant avec une équipe qui s'impose, qui va bientôt recevoir le prestigieux trophée. Les joueurs sautent de joie, évidemment, après avoir décroché ce résultat. C'est tout un groupe qui espérait s'imposer, qui a su répondre présent. Félicitations aux joueurs, mais aussi à leur entraîneur qui a su mettre sur pied une équipe ultra compétitive.